c'est Axel. Mon projet, c'est d'intégrer l'école de journalisme de Lille, de suivre une formation sur le journalisme. Voilà, et puis un peu de valoriser mon expérience au sein du Génépi, qui est une association qui intervient en milieu carcéral. J'ai pu faire pas mal de radio avec eux, et du coup, c'est un peu une continuité entre voilà, mon service civique, mon engagement associatif et maintenant ma future vocation de journaliste. Ce que j'aime, je suis un peu passionné par le web et tout ce qui est web documentaire. J'aimerais pouvoir en réaliser un sur les thématiques de l'enfermement. Et puis voilà, et puis pour finir, le mot de la fin, je dirais partage, parce qu'on est tous là pour partager notre expérience, notre vécu, et je pense que c'est capital. Voilà, c'est Thomas, donc je suis à l'Institut dans la filière formation. Je souhaite devenir scénariste pour les films, la bande dessinée et les romans. Donc moi, ce que j'aime, c'est avant tout le sport, la muscu et le foot, transpirer comme un fauve. Et voilà, vive l'Institut! Moi c'est Liana, alors j'ai intégré l'Institut du service civique dans la filière emploi, donc je souhaiterais travailler pour un bailleur de fonds qui soutient des projets de développement et travailler sur les questions d'évaluation extra-financière des ONG. Qu'est-ce que j'aime faire? Ben, j'aime voyager et bronzer au soleil. Et le mot de la fin, Buja Forever. Un projet avec l'Institut du service civique, c'est de créer une activité, une association, dans le cadre de l'accompagnement scolarisé des jeunes en Afrique, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Donc l'idée, c'est de promouvoir l'accompagnement des jeunes dans le cadre de la lutte contre les inégalités scolaires. Et moi, je dis peace and love.